Risque du métier. Une caméra en biette, une voiture complètement inutilisable ou presque, une rafale qui était passée à quelques centimètres de mon chauffeur et de moi-même. Enfin, vraiment, les risques du métier. Alors, je vais vous raconter cette histoire, le comment et le pourquoi. Pourquoi et comment c'est arrivé. Bonjour à tous, cela fait maintenant 10 ans que Muammar Kadhafi est mort. 9 ans de guerre, de guerre civile, et puis une accalmie, un miracle donc. Le 24 décembre, la Libye va peut-être pouvoir choisir son nouveau président. Et à partir de là, ce sera peut-être le retour à la paix. Mais retournons 10 ans en arrière. 10 ans en arrière, nous étions le 23 août 2011. Quand moi j'arrivais à Tripoli. Les combats faisaient rage. Rage dans la capitale. Les forces qui combattaient contre Muammar Kadhafi, avec évidemment l'appui des puissances occidentales comme l'Amérique, la Grande-Bretagne et la France, ces forces-là combattaient dans la capitale libyenne. Moi, j'étais arrivé quelques jours auparavant à la frontière entre la Tunisie et la Libye. En fait, j'étais plutôt à Sfax. Je demandais à Sfax un visa à l'ambassade de Libye en Tunisie. Il n'y avait plus personne. Plus personne ne voulait me délivrer de visa. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai loué une voiture, j'ai demandé à un chauffeur de m'accompagner et nous sommes partis vers la frontière libyenne et ensuite Zaouia. Zaouia où les combats faisaient rage. Arrivé à Zaouia, la dernière ville avant Tripoli, nous sommes à 50 km de la capitale de la Libye. Cela fait maintenant 2 jours que l'offensive venant du Djebel s'est déclenchée à la grande surprise de tous. La route entre Tripoli et la Tunisie est bien coupée. Plus de carburant, ni de vivres pour les troupes gouvernementales. La prise de Zaouia est d'un intérêt stratégique pour la rébellion. Entrée dans le centre de la ville, encore pilonnés par les mortiers. Les quartiers sont ravagés par les combats. Le grand marché n'existe plus. Les combattants du Djebel sont des gardiens. Ils savent ce que c'est qu'une arme. Bienvenue à Zaouia. Au pied de la grande route, des carcasses de chars détruits par l'aviation. Y a-t-il encore des snipers? Oui, il y en a. Où? Ils sont dans les immeubles de l'administration et de la banque. Les avions de la coalition avaient frappé les chars libyens. Et pourtant, malgré cet appui aérien, très actif,
les forces du colonel Kadhafi résistaient. En face, les troupes de Kadhafi sont matraquées par l'aviation de l'OTAN, jour et nuit. Ils sont retranchés dans des quartiers de l'est de la ville. Ils tiennent les troupes du CNT à distance grâce à des tireurs embusqués qui contrôlent la plupart des grands axes. Les résistants ont pu rafistoler un char qui se met en position devant les immeubles occupés par les snipers. C'est au canon qu'ils les débusquent un par un. Mais cela ne suffit pas. Avec un petit groupe, je me rapproche de leur position. Leur tir tient toujours les combattants à distance. Il est 6 heures du soir, les positions sont inchangées. Zaouya n'est pas encore tombée dans les mains de la rébellion. Zaouya tombe, la route de la capitale libyenne, Tripoli, est ouverte. Arrivés à Tripoli, nous voici dans le centre de la capitale libyenne. Dans le centre de la capitale libyenne, la place verte, la célèbre place verte. Arrivé sur la place verte, 8h30 du matin, un spectacle inoubliable que cette place désertée, qui était le symbole de la puissance de Kadhafi. Rebaptisée Place des Martyrs, elle est gardée par deux pick-up du gouvernement de transition. Les accrochages se font de plus en plus violents. Les troupes de Kadhafi se regroupent autour de bunkers. Nous ne savons absolument pas si le guide ne s'y trouve pas, ce qui serait logique. Un bunker où j'étais allé quelques mois plus tôt. Traversons la place verte, nous essayons, mon chauffeur et moi, de foncer vers les hôtels. Pourquoi vers les hôtels? Parce qu'il me faut absolument une connexion Internet pour envoyer mon sujet à Arte. Partout dans Tripoli, comme ici, les combats font rage. Les unités du colonel Kadhafi se sont repliées autour de l'hôpital et sur le front de mer. Mais petit à petit, des accrochages très violents ont lieu un peu partout dans la ville. Des groupes d'une dizaine d'hommes tiennent une rue, un immeuble, une place, ce qui rend la mobilité des résistants difficile. Soudain, une explosion, des hommes stoppent la voiture, une rafale, puis un grand noir, que je crois reconnaître comme un toubou, se précipite sur ma caméra, donne un coup de pied dedans, arrache le micro et me bourre de coups de crosse. La caméra roule de l'autre côté de la chaussée, je me précipite sur elle. Le type me braque avec sa kalachnikov et tire. Et tire à quelques centimètres de mon oreille. Je suis complètement assourdi, un peu dans les vapes, abasourdi. Le type me reprend, me traîne et m'expédie dans des espèces de petits jardins. Je me dis à ce moment-là que nous sommes en présence de pillards. Je me laisse emmener vers cette habitation. Et là, je vois un homme qui se présente comme le chef du groupe. Il me demande ma nationalité. Je lui dis, écoutez, je suis français. Et là,
Il rentre dans une colère froide. Il me dit, je vais te tuer, je vais te tuer. Mes deux fils et ma fille sont morts sous un bombardement, je vais te tuer. Les explosions se rapprochent, c'est pas bon. Moi je me dis qu'à un moment donné, les forces de l'OTAN vont nous prendre pour cible et tuer tout le monde. C'est ce que me dit d'ailleurs le professeur avec un grand rire. Je sens que l'homme est désespéré. J'essaye de lui parler. Pourquoi lui parler? Pas tout simplement parce qu'on ne tue pas un homme avec qui on parle. Il a un physique très étonnant pour un combattant libyen. Il est distingué, bien habillé. Il détonne complètement par rapport au reste du groupe. 4 heures ont passé. Un jeune Libyen vient me fouiller. La cassette que j'avais planquée dans mon pantalon est découverte. Il la prend. Je vois mon MacBook Pro brisé à coups de crosse. Le professeur vient vers moi. Il me dit qu'il va tenter une sortie. Mais grâce à moi, il me demande de reprendre ma voiture, de me mettre au milieu de la voie et d'aller doucement vers les rebelles. Il me demande d'attirer leur attention. Nous nous serrons la main, je le regarde bien dans les yeux et je me dis que ce soir, il sera sans doute mort. Je suis ému. Nous partons avec mon chauffeur au milieu de la voie. D'un seul coup, il appuie sur l'accélérateur. Moi, je suis sidéré. On va se faire flinguer par les rebelles. Je bloque le frein à main. La voiture se met en travers de la route. On sort, les bras bien en l'air. Quelques balles sifflent, mais c'est tout. Ça y est, nous sommes libres.